Je vois que c'est un jour de joie pour nous tous. Namoniete ezali mokolo ya esengo pona biso banso. Notre rêve est devenu une réalité. Ndoto na biso elati nzoto. Mais vous me verrez très bien quand on entrera ici. Parce qu'on mettra des écrans géants. Bokomo nangai malamu koleka. Tango penza tokokota mpo bakotia écran ya minene. Mais aujourd'hui, c'est simplement pour vous mettre l'eau à la bouche. Pona lelo ezali kaka mpo na koyokisa bino mwa elengi moke. Je crois que vous avez aimé. Na kanisi ete bosepeli nango. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Topesi matondi na kolo Yesu Kristo. Le pasteur Somada de Bondo m'avait dit de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mokengeli Somada ya Bondo alobaki na ngai te na pesa bino mbote na komo na nkolo Yesu Kristo. Vous acceptez cela? Bino bondimi yango. Le pasteur Atapis Ngiamba vous envoie aussi des salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mokengeli Atapis Ngiamba atindeli bino pembote na komo na nkolo Yesu Kristo. Depuis Charlotte aux États-Unis. Kouta na Charlotte na États-Unis. Vous recevez cela? Boyambi yango. Et le pasteur Papi Lusala. Mokengeli Papi Lusala. Lui aussi vous envoie des conteneurs de salutations. Yepe atindeli bino bambote ebele ebele. Depuis Dallas au Texas. Uta na Dallas na Texas. Est-ce que vous recevez cela? Boyambi yango. Oh là là, de toute ma vie, je n'ai jamais prêché devant un si grand nombre. Bomo inangai mobimba na teyana liboso na bato ebele boyete. Je suis émerveillé. Ezali ko pesa ngai ekoka musa ngai ko pesa ngai sengo. Est-ce que vous tous vous me suivez très bien? Bino nyoso bozola na ngai malamu. Vous me suivez très bien? Bozola na ngai malamu. On mettra des écrans géants. Ba kotia ba écran géant. Parce que je suis tout petit, je vous vois aussi tout petit. Bonazali muke, nazomo na bino pe mike mike. Ça, c'est la grâce de Dieu. Oyo ezali ngolu na Nzambe. Le travail que vous avez fait, mosalo yo bino bosali. Aujourd'hui, c'est ce que vous voyez. Ezali oyo bozali komona lelo. Et nous remercions Papa Kalonji. Et tozali kotonda Papa Kalonji. Et je félicite l'Assemblée chrétienne de Rigini. Pe na pesi longonyana losambo ya Rigini. Vous avez beaucoup souffert. Bomoni pasi mingi. Et maintenant, ça commence à produire. Kasilelo mbuma emonani na miso. Je suis fier de vous. Nazali na lipambu na bino. C'est vraiment rempli, rempli, rempli. Etondi penza meke.
jusqu'aux escaliers. Qui non a pas escalier? Ah. Bon. Je crois qu'on peut aller à la Sainte Seine. Na kanisiete tokoki koleka mbala moko na elambo. La communion. Levez-vous, nous allons lire la parole de Dieu. Otelema tokotanga liloba. Ouvrez s'il vous plaît vos Bibles dans 1 Corinthiens 11. Fungola Bible na yo na ba Kolinti ya liboso moka poazo mina moko. Depuis le verset 23. Kobandanzela ya tukumi bale na misato. Jusqu'au verset 26. Kino ya tukumi bale na motoba. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Poète, yango ezwakingai epai nankolo. Mpe epesa kingai bino ezala kiete. Na butu wana ekabama kiye. Kolo Yesu akamati lipa. Mpe esili ekotonda abuki yango. Alobi ete oyo ezali nzoto nangai mpona bino. Bosa la kaboye mpona ekaniseli nangai. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Bobele bongo na kopo. Sima na kolia alobiete. Kopo oyo ezali kondimana na sikakat na makila na ngai. Bosa la kaboye mbala na mbala ekomela bino yango pona ekaniseli na ngai. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que je vienne. Zambi mbala na mbala ekolia kabino lipa oyo pe ekomela kabino kopo bojali kosakola kufa na nkolo kino ekoya ye. Prions le Seigneur. Tobonde la nkolo. Dieu notre Père céleste. Nzambe tata na biso na likolo. Aujourd'hui nous allons avoir la Sainte Seine. Lelo tokolia elambo. Purifie nos cœurs. Petola mitema na biso. Nos vies. Pour que nous puissions prendre cette Sainte Seine comme il se doit. Petola pebo mo na biso po tolia elambo na ndenge esengeli. Bénis nos faibles efforts, Seigneur. Bambola moi makasi moke toko. Et pardonne nos péchés. Pelimbisa masumu na biso. C'est toi qui avais versé le sang. Yonde osopaki makila. Voyez tout ce monde sous le sang de l'agneau. Tika ete omo na bato oyo sona sena makila na mwana na mpate. Et nous te demandons to sengu yango ce peu de mots na maloba moke boy au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bokoki kofanda. Nous allons parler un peu sur la communion. Toko solo la mwa moke likolo na elambo. La Sainte Seine. Elambo. Le souper du Seigneur. Bilei na pokwa na nkolo. La communion. Elambo. C'est la même chose. Ezali kaka ndenge moko. C'est Dieu lui-même qui nous a dit de le faire. Nzambe ye moko nde alobi na biso to sala yango. Il dit quand nous le ferons, nous penserons à lui. Alobi tango toko sala yango. Il avait souffert, c'est vrai. Mais quand nous faisons cela, nous pensons aussi à son retour. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est l'apôtre Saint Paul qui l'a institué comme une doctrine dès la première église.
Ben Thomas Santo Paul onde atiaki yango lokwa malakisi uta na ebandelia ecclesia liboso penza. Et frère Branham répond cela en expliquant clairement que Dieu a trois ordonnances que nous devons faire. Pende kobana mazali kozongela ngo polele na kolimbo la kotali saete nzambe azali na malakomi sato obiso to singeli kotosa. Quand nous faisons la communion, tango tozali kolia elambo, il y a la communion, le lavement des pieds et le baptême d'eau. Elambo ezali bosokolani makaka ezali pe le baptême d'eau. Nali batisi amai. Ce sont les trois choses. Et trois, c'est la perfection. Et c'est ce qui a été institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. Yali biloko misato, pemisato ezali kobonga be. Yangonde etiamaki na Santo Polo na konimana na sika. Et il avait pris du pain. Et le pain, c'était le pain kasher. Ye akamata ki lipa. Pelipa yango ezalaki lipa ya kokauka pe ozali kobukana. Et c'était un pain sans levain. Ezalaki lipa moko o ezangi fulu. C'était un pain qui n'était pas assaisonné. Ezalaki lipa moko o batia bikila kilana kati te. Pas de sel. Mungwate. Pas de piment. Pilipili te. Pas d'huile. Mafuta te. Un pain kosher. Lipa penza ya kozanga fulu ya kokauka. Qui n'a pas de levain. Ezali na fulu na kati te. Ce n'était pas un gâteau. Ezalaki gâteau te. C'était pas un pain là à forme circulaire. Ezalaki lipa moko ya libungu tulute. C'était un pain qu'on pouvait briser. Ezalaki lipa moko ya bakokaki kobuka. Et c'était un pain qui devait être fait par des mains propres. Ezali lipa moko esengelaki kolambama na maboko oya peto. Et ici chez nous, ce sont les diacres qui les font. Awe pa inabiso basunginde basalaka yango. Il a pris ce pain la cochère et il a brisé cela, il leur a donné. Akamata ki lipa na kokauka, abuki yango pe apesi bango. Et la Bible dit clairement que c'était le soir. Bongo Bible lobi polelete ezalaki na pokwa. Ce n'était pas le matin. Ezalaki na tongote. C'était le soir. Ezalaki na pokwa. C'est Matthieu chapitre 26 verset 20. Ezali Matthieu mokapoto kumbale na motoba nzela tukumibale. Je vais lire ça. Na kotanga yango. On ne prend pas la Sainte Cène le matin. Elambo baliaka yango na tongote. Le soir. Na pokwa. Le soir étant venu, loko la pokwa eyaki, il se mit à table avec les douze. Afandaki na mesa elongo na bazomi na mibali. Pendant qu'il mangeait, ezalaki bango kolia, il dit, je vous dis en vérité, l'un de vous me livrera. Alobi na bango solo solo na bina bino ete moko na bino akokabangai. C'était le soir. Ezalaki na pokwa. Jésus était mort le soir. Yesu akufaki na pokwa. Exactement dans 1 Corinthiens chapitre 11. Benza benza na ba Corinthi ya liboso moko bozomi na moko. Il est dit ceci au verset 23. Et le même bonanzela tukumba na misato. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Poete kouta na nkolo na zui oyo ngai na lakisa kibino. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, ezali ete nkolo na butu oyo ekabamaki ye, prit du pain. Akamata kilipa. C'était la nuit. Ezalaki na butu. C'était pas le matin. Ezalaki na tongote. On ne prend pas la Sainte Cène le matin. Baliaka elambo na tongote. Mais c'est le soir. Kasi baliaka ngo na pokwa. Et ils ont mangé cela. Pe baliaki yango. Et après cela, il a pris du vin. Na sima nango akamata ki vinyo. Et il a rendu grâce. Pe azongisaki matondu. Et il a prié, il leur a donné ce vin-là. Abondela ki apesi bango lipawana. Il dit, ce vin-là est la nouvelle alliance en mon sang.
apesi bango vinyo na alobiete vinyo yango ezali boyoka ni asika kat na makila na ngai. Donc c'était du vin. Elingo bete ezala ki vinyo. Ce n'était pas le jus. Ezala ki jus te. Ce n'était pas du jus de raisin. Ezala ki moi mai na raisin te. Nous ne prenons pas du vin, mes frères et sœurs. Biso tomelaka masanga te vinyo te ndekombali ndekobasi. On ne prend pas l'alcool. Tomelaka masanga ya alcool te. Mais nous prenons cela seulement pendant la Sainte Cène. Kasi tomelaka yango kaka na tango ya elambo. C'était du vin. Ezalaki vinyo. Et il a dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Et alobaki ete na komela lisusu na mbuma na miwiti oyo te. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous. Kino mokolo na komela ngo lisusu mbala na sika elongo na bino. Dans le royaume de mon père. Na bokonzi ya tata na ngai. C'est que un jour kotalisa ete mokolo moko nous allons prendre du vin. Tokomela vinyo. Est-ce que vous le savez? Boyebi yango. Et ce jour n'est pas loin. Pe mokolo yango ezali mosika te. Quand nous serons au ciel. Tango tokokoma na lola. C'est Matthieu 26. Ezali Matai tukumbale na motoba. Le verset 29. Nzela tukumbale na libua. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dans peu de temps, nous entrerons au ciel. Nous irons dans l'enlèvement. Et le ciel s'ouvrira quand le puissant vainqueur parlera. Tango molongi nanguya akoloba. Portail éternel, ouvrez vos lenteaux. Bikuke na seko. Fungola tombola makonzi na bino. Que le roi de gloire puisse entrer. Ete mokonzi na mikonzi ako. Qui est le roi de gloire? Nani azali mokonzi na nkembo? C'est Jésus. Ezali Yesu. Puissant dans la bataille. Elombe katina etumba. Et il va entrer avec son épouse. Pe akokota elongo na mwasi na libala na ye. Et quand nous entrerons, etang tokokota, il y aura une table qui sera dressée. Mesa moko ekobongisama. Et les anges vont nous servir. C'est le début du souper de noces. Nous allons fêter avec Jésus. Et nous boirons du vin là-bas au ciel. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Priez pour ne pas manquer ce jour-là. Bonde la poète mokolo yango osangate. Nous voulons que nous tous nous puissions être là. Tolingete biso banso tozala kuna. Oui. Iyo. Nous serons là-bas. Tokozala kuna. Qui prendra la communion? Nani akoki kolia elambo? C'est celui qui a reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ezali moto azuli baptisi na komo na ngole Yesu Christ. Il a été baptisé. Ye abatsamaki. Il a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Andimi Yesu lokola mobikisi na ye moko. Il est sorti du monde. Abimi na mokili. Il est sorti de l'Égypte. Abimi libana na Egypto. Il sait qu'il n'est plus dans le monde. Aye biete azali susu na mokili te. Il peut prendre la Sainte Cène. Akoki kolia elambo. Nous sommes des hommes. Il y a certaines faiblesses qui nous collent à la peau. Moi, bolembo mosusu etika kabisote. Priez pour que Dieu enlève cela. Bonde la poète nzambe alongola yango. Mais si tu es toujours derrière les femmes, kasi soko zali tango nyonso kasi manabasi, ou derrière les hommes, tango nyonso kolanda mibali, tu ne fais que tomber. Ozali bobele kokwea kokwea kokwea. Je ne parle pas de ça. Nalobi mpona yango te. Alors là tu ne prends pas la Sainte Cène. Wana okolia elambo te. Tu prends la Sainte Cène. Okolia elambo. Si toi tu sais que tu n'es plus dans l'Égypte. Soki yo oyebi eto zali susu na Égypte te.
Quand tu sais que tu as quitté le monde, tu es en voyage. Ozali na mobembo. Pour entrer dans ce pays où coule le lait et le miel. Pona kokota na mboka obipai mabele pe mafuta na nzoye za kotanga. Une ville pavée d'or. Wapi babalabala esami na wolo. Où nous serons avec notre Dieu éternellement. Esika wapi tokozala elongo na nzambe na biso seko na seko. Le Seigneur Jésus-Christ. Kolo Yesu Christo. Nous attendons cette fête là. Tozali kozela elambo wana. C'est un moment béni que nous attendons. Ezali batango moko epambwa mio tozali kozela. Pendant que nous attendons, wana tozali kozela, nous prenons la Sainte Seine. Tozali kolia elambo. Quand nous prenons la Sainte Seine, tango tozali kolia elambo, cela signifie elingi kotalisa que Jésus n'est pas encore venu. Ete Yesu nanu ayete. Parce que la Bible le dit clairement. Nous prenons cela jusqu'au jour qu'il viendra. S'il est déjà là, on ne prendra plus. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il dit ceci. Vivez cette coupe. C'est pourquoi celui qui mangera ce pain et boira la coupe indignement sera coupable avec le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même. Qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Ende na sima akoki koeba kolia li pape comme la copo. Amen. Amen. Ah, car toutes les fois que vous mangez ce pain, c'est le verset 26, et que vous buvez cette coupe, puite mbalanyoso bokolia li pape bokome la copo yo, vous annoncez deux choses. Ozali kosakola makambo mibale. La mort du Seigneur. Liwa nankolo. Et la venue du Seigneur. Pe boye inankolo. Jusqu'à ce qu'il vienne. Kino mokolo akozonga. Donc vous prenez la Sainte Seine jusqu'à ce que Jésus reviendra. Eligobete tokolia elambo kino ete Yesu azonga. Nous croyons que Jésus reviendra. Biso tonimi ete Yesu akozonga. Quand il reviendra, nous irons dans la gloire. Tango ya kozonga tokokena na. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Na bokuta inankolo na mipepe. Mais pour manger, vous devez vous-même savoir si vous êtes dans le Seigneur ou dans le monde. Alors mangez. Vous devez vous éprouver vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment un chrétien? Alors prenez la Sainte Seine. Mais si votre conscience vous condamne, Dieu est plus grand que votre conscience. Alors ne prenez pas. Et je voudrais terminer en disant, nalingi kosili sana koloba, il y aura un lavement des pieds. Ça accompagne toujours la Sainte Seine. C'est ce qui est écrit dans Jean, chapitre 14. Chapitre 13, je voulais dire. C'est un commandement du Seigneur. Pendant le souper, Natango ya bile ya pokwa, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, Natango oyo Satana asilaki kotia na motema ya Judas Musekeliote, fils de Simon, mwana na Simona, le dessein de le livrer, likanisi ya kokaba ye. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Yesu aiba kete tata apesaki makamonyoso na maboko na ye. Qu'il était venu de Dieu. Ete autaki na nzambe. Et qui s'en allait à Dieu. Ete azalaki kozonga na nzambe. Se leva de la table.
atelemaki na mesa, ôta ses vêtements, alongoli elamba na ye, et prit un linge dont il se saignit, pe akamati lisume amizingeli. Ensuite, il versa de l'eau Nasima dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon. Simon Pierre lui dit: toi Seigneur, tu me laves pas les pieds. Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: non, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus répondit: si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Simon a pété loyer kolobanaye kolo kaka makolopambate sokolangai pe maboko sokolangai pe mutu. Bien, je vais à 12 maintenant. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, solo, solo, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc nous devons faire ce que Jésus a dit. Nous laver les pieds les uns les autres. Le pied, c'est la partie la plus sale. La partie la plus basse. La partie la plus négligée. Et vous devez toucher au pied de votre frère, de votre sœur. Et vous lavez cela avec tout votre cœur. Savoir aimer votre frère et négliger ses faiblesses et nettoyer ses faiblesses. Au lieu d'en parler aux autres, toi tu nettoies cela. C'est beaucoup d'amour. Nabolingo ebele. Et lui mettra ses mains sur votre tête. Ye akotia maboko ne likona mutu na yo. Et il dira: Seigneur, akolo ba kolo. Mon frère, ma sœur a touché mes pieds. Ndekonanga mobali ndekonanga mwasi asimi makaka na. Je te demande de le bénir, Seigneur. Na sengi na yo opambola ekolo. Que tu puisses nettoyer aussi son cœur. Osokola pe motema na ye. Et Dieu le fera. Benzambe akosala yango. Pour qu'il soit avec nous quand nous partirons dans l'enlèvement. Pwete azala elongo na biso tango tokokenda na koneto la ma.
C'est beaucoup d'humilité. Ezali komikitsa ebele dans le lavement des pieds. Na bosokolani makolo. C'est beaucoup d'amour. Ezali bolingo ebele que vous manifestez dans le lavement des pieds. Oh bozali komoni satan bozali kosokolana makolo. Et les véritables chrétiens pe ba Christo oya sol. Ils doivent le faire. Batinda mikosala yango. Parce que c'est notre Seigneur qui a fait cela. Il est notre modèle. C'est lui qui est Seigneur. A lavé les pieds de ses disciples. Qui sommes-nous? Lavons-nous les pieds. Essayez d'oublier l'erreur de l'autre. Nous devons prier les uns pour les autres et fermer les yeux sur les erreurs des autres. Je m'arrête là. Jésus revient bientôt. Nous allons prendre la Sainte Cène avec beaucoup de joie. Parce que Jésus nous a accordé 2014. Il y a beaucoup qui sont morts. Batomingi bakufi. Ils n'ont pas pu entrer dans 2014. Bango balonga kite na kokota na mobuko to ibale na zomi na mine. Dans une minute, je crois. Dans vos montres, c'est comme ça. Nous entrons dans 2014. Na miniti moko tokoti na mobu koto ibale na zomi na mine. Oh, chez moi c'est accompli déjà. Et pas inanga ekoki déjà. Vous êtes dans 2014. Bonne année 2014. Donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait par l'amour. Jésus.
gloire au Seigneur Jésus, c'est lui qui l'a fait. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré. Prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompu et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Dieu notre Père céleste, nous prions pour tous ces pères qui sont là-bas, Seigneur. Ces pères ont été préparés par des saints pour le travail de la Sainte Seine. Bénis ces pains, Seigneur. Quand nous prenons cela, que ce soit notre communion avec toi, avec nos frères et sœurs, attendant ta venue. Nous attendons ta venue et nous commémorons le travail que tu avais fait avec ton corps brisé. Tu avais souffert, Seigneur. Tu ne peux pas échouer. Nous irons au ciel à cause de ce travail que tu avais accompli. Nous prenons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Seigneur Jésus, Kolo Yesu, un jour tu étais flagellé. Mokolo moko beta maki fimbo. Ton sang giclait. Makila na yo e tanga ki sopanaki. Tu avais une couronne d'épines sur ta tête. Ola taki motole anzube na mutu na yo. Ton sang descendait de ta tête. Makila na yo ezalaki kokita na mutu na yo. On avait percé tes mains et tes pieds. Batobola ki matandu na yo pe makaka na yo. Et ton sang coulait, Seigneur. Makila na yo esopanaki nkolo. Et on avait percé ton côté. Batobola ki mopanzi na yo. Oh Dieu. Oh Nzambe. Nous prions. Toali kobondela. Parce que nous croyons à ce sang. Oete tonimeli makila ango. Le sang de Jésus ne perdra pas sa force. Nous savons que nous entrerons au ciel parce que c'est le sang de l'alliance qui n'échouera jamais. Merci Seigneur. Nous prenons cela avec action de grâce. Bénis tout ce que nous avons ici comme vin. Que cela serve à la communion, Seigneur. Et bénis ton peuple qui va le prendre. Sanctifie tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Les administrateurs, Banyangeli, nous appelons les administrateurs. Nabengi Banyangeli. Et les femmes des administrateurs. Nabasi Yabanyangeli. Nous appelons aussi les femmes et diacres. Et les femmes des pasteurs. Nobengi pe basi yabasungi na basi yabakengeli. Les femmes des pasteurs, les femmes des diacres. De Dieu. Vassali Nanzam. Vous pouvez aller à droite là. Les serviteurs de Dieu. Thank you.
ici aussi. Venez travailler ici. Asungi, mesa moko ezali awa, voya kosa mosala. Il y a deux tables. Mesa mibale ezali awa. Table ici. Rachetez le sangha. Surveillance. Secrétariat. Venez par ici. À ma gauche. Vamos sur les kanangambo ya mwasi. Thank you.
les musiciens. Balanga Nzembo. Derrière vous, l'équipe technique, équipe technique. Interprète. La RTVA. La RTVA. Les interprètes, les concierges. La RTVA, les interprètes, les concierges, l'équipe technique, les musiciens, la maison de dons. Papa Okita. La maison de dons.
Maman Makilanda. J'appelle le président du conseil des diacres. Abengi Mokonzi Alikita Nabasu. Nous allons prendre la Sainte Cène. On me signale qu'il n'y a pas d'interprète. Nous voulons dire ceci. Nous sommes très nombreux. Et c'est une première expérience que nous tentons ici au nouveau tabernacle. S'il n'y a pas la discipline, ça sera difficile. Et que ça la passe. Le cheminement est le suivant. Ndenge ya kolanda nzela ezali boye. Tous ceux qui viendront pour la Sainte Cène. Ba nyonso bakoya pone lambo. Viendront en face de la chair. Bakoya ko talela ete le chair. Par colonne. Na molongo. Ça veut dire que tous ceux qui sont là au-dessus, quand on va les appeler. Elingi koloba. Ba nyonso bazali kolo. Tango bako bianga bango. Deuxième balcon, deuxième balcon, premier balcon. Balcon liboso pe ami balé. Vous descendrez tous par les escaliers de fond. Binyoso boko kita na escalier oyeza na sima na bino na suka. Deuxième balcon, premier balcon. Balcon ya mi balé pe aliboso. Vous descendrez par les escaliers de fond. Boko kita na escalier oyeza li na suka na sima na bino. De côté vous êtes assis. Na ngambo oyo bino bufandi. Et vous viendrez pe bokoya par deux colonnes. Na milongo mi balé. Ceux qui sont à gauche, il y a une première colonne là-bas. Baye, bazana ngambo, ya loboko ya mwasi, molongo moke zakuna. Ils vont se servir à la table là où le pasteur Kalumbu. Bako li elambo na mese pa mokengel Kalumbu azali. Ils viendront par l'autre le couloir qui est là juste à côté. Ba mususu bakozana molongo oyelandi. Ils vont se servir là où il y a les honorables Racheté et Lubaki. Bakoli elambo epai basungi Racheté pe Lubaki bazali. Tandis que de ce côté, nzokande na ngambo mususu. Viendront aussi par les deux couloirs.
bakoyape na milongo mibale se servir sur les deux tables ici pona kolia na mesa oyeza na ngambo mususu. Quand ils auront pris le pain et le vin sima na kolia elambo pe komela vino ceux qui sont à ma droite baye bazala na ngambo na ngalo boka mobali ils sortiront par les escaliers ici bakobima na beskalier oye kozali boso na bango et ils iront à la cave pour, au sous-sol pour le lavement des pieds. Peba kokene na cave na sekuna pona kusukola makolo. Les hommes seront là juste en dessous du bâtiment. Basi bakozala penza kuna na mibali mibali bakozala na sekuna et les sœurs seront de l'autre côté derrière le bâtiment là-bas. Peba ndeko basi sima ya bawesi ils passeront au travers de leur toilette oui, au-delà OK bakozala sima ya toilette kuna. Pendant la cette scène, Natango nyo se lambe ko banda ko pesama. Pas de mouvement inverse. Toboyi bato oya wuti boya bakuta na toboyi bokuta na kati. Il n'y aura pas de gens qui partiront de ces escaliers pour faire ce mouvement non. Et ni ko ba ete ngambo ba lobi pona ko kita moto aute la kuna te. Ceux qui seront là en bas. Ba ba ko sala kuna na se. Vous aurez lavé les pieds. Sima na kusukola makolo. Vous remonterez toujours par les escaliers de derrière. Boko songe la komata. Kaka esika bino bokitela ki. Ne refaites pas le parcours inverse, ça sera difficile. Boya na ngambo boko kitela te pona okendo sukola makolo. Maintenant nous allons partir par les gens qui sont au sous-sol. Toko banda na bato obazana se na cave. Les gens qui sont au sous-sol. Bato bazana cave. Peuvent remonter par les escaliers de derrière. Bako mata na beskalier zana simakuna kote abawese. Les bien-aimés qui sont au sous-sol remontent par les escaliers de derrière. Balingami o bazana se kuna na cave. Bako kote la na beskalier zana sima. Y compris tous ceux qui ont bouché le passage là-bas inutilement. Elongo na ba nyoso o bazana nzela bakangi nzela ka pamba. Venez prendre la Sainte Seine. Boya elongo na bango kozwa kolia elambo. Vous ressortirez. Pe bokobima na si. Nous commençons par les bien-aimés qui sont à la cave là au sous-sol. Tozali ko banda na bandeko o bazana se na cave. Qui les remonte par les escaliers de fond? Bamata na bibuteli o ezali kuna na suka. Et qu'ils viennent se servir ici. Pe baya kolia elambo. Nous vous supplions. To bondeli bino. Ne vous levez que quand on vous fera signe de vous lever. Okotelema kaka soki balobi na yete telema. Ne vous levez que quand on vous dira levez-vous pour aller prendre la Sainte Seine. Telema kaka soki balobi na yete telema pour que ndekolie elambo. Sinon ça va être un cafouillage. Soki te ekozala yiki. Les bien-aimés qui sont dans la cave, dans le sous-sol. Balingami o bazali na cave na se. Et qui sont sur les couloirs justement en bas. Pe bayo bazali na couloir na se. Sur les escaliers en bas, ils peuvent venir avancer pour la Sainte Seine. Na beskalier, bokoki koya kopusa na pona koya kolie elambo.